Allez là! Allez! Allez là! Non! Allez! Souvent, papa il coupe le foin, puis moi je vais le faner, le retourner, et puis après lui, papa il l'andaine, il fait les andains, puis moi je presse. Donc les quatre tracteurs sont toujours prêts à faire feu. Comme ça, il n'y a rien à décrocher, puis ça va plus vite dans le travail. Bien les chevaux, ça m'a tombé à 4 chevaux. Et je vais me déranger pour voir 4 juments, mais je ne vais pas me déranger pour voir 4 chiens bêtes à cornes. Ben, si, parce que j'en ai vu 4 des bêtes à cornes, j'en ai assez, mais des chevaux, je peux en avoir 50. Il y a 15-20 ans, j'en ai peut-être 50, plus que 50. Avec les juments, les étalons, mes poulains, et le but, c'est pour le faire partir à la boucherie. Le but, c'est de faire des chevaux, je sais pas pour. Hein? Qu'on les voit nés, qu'on les voit grandir, il y a une tête comme ça, il y a un nez comme ça, il y a des oreilles. Hein? C'est comme des personnes, il y a des millions de personnes de pont qui se ressemblent. Pourtant, il y a des millions, il y en a des milliards, mais de pont qui ressemblent. Ça arrive qu'il faut qu'il y en ait un qui a un sauvie qui ressemble quand même un peu, mais il y a encore quelque chose qui ne va pas. Hein? Hein? Avant, c'était l'ancien étable à vaches, ça. Ouais. Il y avait 23 vaches d'attachées tout du long. Ouais. Là, il y a 10 juments, là. Là, j'ai comme mes panneaux du salon, là. Salon agricole à Paris, là. Il faut pas s'en aller habiller tous les jours au concours. Il faut mettre une cravate et puis présenter qui curse qui a de la valeur. Il faut pas s'en aller là. Hein? Il faut mettre le jument, hein? Les pieds, les sabots bien taillés, couper le toupet, un beau licol, belle longe, tout. Pour s'en aller là, avec une fichelle d'officiel, mener ce jument au concours. Hein? Un alpiniste, là. C'est un alpiniste, hein? Ouais, je suis né ici, dans la maison. La nuit, j'ai vécu avec ma grand-père, ma grand-mère, ma père et ma mère, et puis une soeur, on a vécu à 6. Ouais, elle était faite à 39, fermée à la guerre 14. Ici, je suis une pâture, je suis un camp d'anglais, qui était contre les Allemands aussi, là. Et eux, les déportés, ceux qui faisaient de la résistance, là. Ouais, il y en a eu dans le village. Même mes deux grands-pères, ils les ont connus aussi, hein. Ben, il n'y a pas là. Bon, grand-mère, si, ils n'en parlaient. Mon grand-père, il était au brancardier. Je me rappelle. Il mettait un drapeau rouge, là. Il y a l'autre dog book, puis il était à plusieurs, hein. Il tire quand je suis mort dans un chariot. Et puis il est vidote dans un détail, ouais.
radio, dans le village, on a une renommée chez les arculeux d'église. Parce que disant qu'ils ont reculé l'église quand ils l'ont bâti. Il a un, il a posé un gilet, là. Et puis il a dit, mais j'ai mis mon gilet là. Et ce gilet, il était bougé de place. Alors il a dit, non, il n'est pas bougé de place. C'est l'église qu'elle a bougé de place. Alors ça disant que l'église, il n'y a rien qui l'aura reculé. Dès qu'on est né, après, ben, on aime moins bien. Ici, après un coin, après les collines de l'Artois, un haut, c'est plus que les Flandres, après là haut. Hein. C'est les dernières collines, après, il fallait aller boulonner, il fallait parler haut. Hein. Par les collines, les monts et tout le bavard. Hein. Je n'ai que ça. Bon, vous allez boire un verre après, bon, maintenant.